Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Nous sommes, alors je suis complètement perdue dans les jours, vendredi. Le temps est à moitié couvert, à moitié bleu, mais il fait toujours aussi lourd. Allez, le facteur est passé. Eh ben, à part la facture du loyer, il n'y a rien pour moi. C'est tout pour Lola. Alors, je vais déjà donner un petit truc à Oli, comme ça, ça va l'occuper. Ça évitera qu'elle embête Lola le temps de l'ouverture. Allez, tu veux venir dire bonjour, toi? Yep. Là, comme ça, elle vous a fait coucou. Et ma Lola arrive. Alors, elle a reçu une enveloppe très joliment décorée avec de très jolies coccinelles. Un très joli timbre. Donc là, ça vient de Fanchon. Et après, il y aura une autre petite chose. Allez, je te laisse ouvrir, ma louloute. Tu peux retourner, j'ai caché le nom. Merci beaucoup. C'est la solution. Ah bah, tu peux aussi. Hop, je te récupère l'enveloppe. Wow. Oh là là, bah tu vas pouvoir t'occuper. Attends, je te sors tout. Je vérifie. Il n'y a plus rien, c'est tout bon. Oh là là, bah t'en as des choses. Oh. Là, on fait un plan de découpe. Ah, puis elles sont jolies. Elles sont d'une finesse. Regarde, là, tu peux venir y mettre dedans. Ah oui. Hey, j'ai vu ta vidéo. C'est trop joli les cadres. Ils sont superbes. Attention, une feuille de papier, ça sera peut-être mieux. Yep. Ils sont d'une finesse, ils sont vraiment magnifiques. Donc tu lui as fait dans plusieurs couleurs. Voilà, c'est le centre, regarde. Oui. Que tu peux venir te resservir autrement ou remettre comme tu veux. Oui. C'est trop trop beau. Et tu peux, alors il y a d'autres couleurs comme ça, les copines elles verront mieux. Et tu peux venir comme ça, zoop, tout superposer aussi, comme tu peux t'en servir à part. C'est trop trop beau. Donc tu as dans plein de couleurs. Là, tu as un encadrement, donc tu peux t'en servir de différentes façons. Soit tu le colles sur ton projet et tu décores, mmh. Ou alors tu peux venir ancrer aussi. Oui, c'est ça. C'est trop trop beau. Là, tu as un petit cadre tout fin. Celui-là, il est tout fin. Il s'est coincé dans le copain à côté. Tellement il est fin. Dans les copains. Yep. Vas-y, je te laisse continuer. Là, c'est le même cadre, sauf que c'est une autre couleur, c'est jaune. Là, je crois que tu n'as pas les mêmes formes, ou c'est un effet d'optique, je sais pas. Bleu et rose. Si, si c'est le même, mais c'est un effet d'optique. Bah, tu vois, tu en as collé un pour te montrer l'exemple. Regardez, ça rend super bien. Ouais, il était bien dans le bon sens, tu l'as mis à l'envers. Ils sont magnifiques. Donc soit tu le remets en rose, soit tu remets une couleur, tu vois, tu as plein de choix. Tu peux mettre du bleu. Hop. T'as encore celui-là qu'elle t'a fait, regarde. Ah bah c'est le même. Ah, ils sont magnifiques, je te remercie beaucoup pour Lola. Merci. Là, regarde, t'as encore d'autres cadres. Ah bah c'est ce qui correspond à là. À ce cadre-là. Tu as ce grand morceau qui est magnifique aussi, ce grand cadre. Franchement, super joli. C'est d'une finesse, les bordures. Vas-y, vas-y. Là, il y a tous les centres. Ou tu peux même t'en servir tout seul aussi. Mmh. Ça fait quand même des petites pièces de puzzle. Ouais. Ou tu mets un petit sentiment dedans. Mais elle s'est amusée à découper tout ça, notre Fanchon.
Là, en brillant vert, en métallique. Là, en jaune et en rose. Mais blanc sur blanc, on ne verra pas. C'est le même cadre que un qu'on a déjà montré en blanc, du coup. Le même intérieur de cadre. Il est joli ce papier. Il fait papier peint. Oh, oh oui, j'adore. Je sais pas si vous allez voir l'effet, mais il est superbe. Il est magnifique comme papier. C'est pas du papier peint, mais il est très joli. Bon, c'est encore le même. Et là, du coup, c'est le cadre. Et regarde, tu peux même faire avec une autre couleur. Ça va super beau. Hop là, il a glissé. Le même cadre, du coup. Un superbe autre cadre. Enfin, oui, c'est un cadre. Comme celui que je vous ai montré en jaune. Là, il est jaune, mais plus clair. Oui, c'est un cadre. Un autre cadre rose. Et là, en craft. Et là, un cadre craft. Il est très joli aussi. Ça rend super bien. Eh bien, t'es gâtée, ma bichette. Hein. Merci infiniment. Je te remercie beaucoup, ma fanchon. Le temps que t'as dû y passer. Oh là là. Attends, parce qu'on a tout reposé au fur et à mesure, mais on ressent faire une jolie petite pile bien droite. Quand on est deux à faire, en général, ça donne ça. Je vais mettre en pause le temps de ranger et je vous reprends tout de suite. Nous revoilà. Donc, comme on te disait, merci infiniment, Fanchon, c'est adorable. Et là, est arrivé, donc également pour Lola, j'ai enlevé les noms. Ça te vient de Maryse. Tu veux que je joue du scalpel, par contre? Oui, s'il te plaît. Alors, je cherche. Ça doit être ici. Ça s'ouvre. Attends. J'aurais pu étudier le truc avant quand même. Je cherche de quel côté il s'ouvre parce que tu l'as tellement bien scotché. Bah oui, c'est bien. Ouais, je pense. Ça doit jouer par ici. Ah oui, elle a fini sa récompense, elle, alors tu penses. Ah non, non, Olivier. Ouais. Merci, Olt. Lola protège la truffe à Oli. Oui, ça va être par là. J'ai bien coupé le scotch, je n'ouvre rien, c'est elle qui aura la surprise, mais Oli joue au foot. Là, c'est bon, tu peux y arriver maintenant, je te laisse débrouiller. Regarde, t'as une languette, je t'ai montré là, t'as une languette à tirer avant. Oh là là, oh ça brille. À chaque fois que Maryse passe dans le, passe dans le coin, ça brille toujours. Alors, on a eu les paillettes, on a eu les confettis. Là, il y a un gros cœur de coller sur le carton, là. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais le décoller, je vais vous montrer. Hop, là. Un très joli cœur. Oh là là, il y en a deux partout. Attends, je décolle. Ce serait bête d'en perdre. Yep. Allez, je te laisse enlever. Tu sors pas trop vite hein, le papier bulle parce que ça va tout sauter sinon. Elle est enlevée dans les pièces après. Mince, il y en a un tombé. Non, Oli. J'entendais du bruit. Te connaissant, je ne m'attendais pas à ça.
Je sais pas, je suis plus habituée à tout ce qui est en papier. Mais là, tu me diras, ça brille, c'est joli. Vas-y, vas-y. Moi, je suis occupée avec les petits strass, là. Petite étoile. Oh là là, ça brille de mille feux. Attends, je vais pas les mettre par terre. Hein. Il y a des petites... Oh, le carton est tombé, c'est pas grave. Le scotch, il en est plein. Ah bah oui, ça colle partout. Bah oui, regarde. Stop, Oli. Oli, elle a envie de jouer au foot. Allez. Un peu de sérieux, voyons. Il y en a même dans le pli du paquet. Ouais, je décollerai du scotch après. Oh là là. Oh, il est joli celui-là. Attends, attends, je vais essayer de faire un peu de place quand même. Oui. On se rappelle toujours de ton passage, Maryse. On en retrouve longtemps après. Mais attends, de la place, c'est bon, je me débrouillerai après. Je te remettrai tout dans un petit pochon. Ah, rien que ça, déjà, tu vois, c'est rien que du bonheur. Je sens que je vais en retrouver sous mon tapis de découpe. Viens pas mettre ton museau là, ma chérie. Ça va tout coller au babine. Ah bah oui, elle vient de boire. C'est pas de la baffe, c'est de l'eau. Oh, Fifi, elle baffe pas. C'est pas un boxer. Et tu scotches de partout. Ah bah oui, bah heureusement. Sinon, t'aurais déjà ouvert, ça serait pas drôle. Vous voyez comment elle est. Et elle mange de partout. Elle a tout, il y en a plein là. Il y en a même dedans. Attends. Bouge pas, je te débarrasse de celui-là. Viens de l'autre côté, Oli. Là. Reste là, bouge pas. Oh que c'est joli. Oh que c'est joli. Attends, je vais t'enlever le papier. C'est trop trop joli. Ah, c'est magnifique. Tu veux que je cadre? Oui, parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors, un magnifique mur de pierre. Oh, il est superbe. Tu as mis un sentiment bonne fête. Une très jolie rose. Alors, je suppose, oui, c'est toi qui l'as faite celle-là, j'en suis sûre. Rose en organza. Elle est très très jolie. Là, tu as mis des feuillages, des petites roses en satin que tu as faites, enfin en ruban. Trop beau. Un encadrement, une barrière. C'est une petite barrière en bois. Oh, c'est trop mignon. Et là, on a le petit parterre avec le gravillon, la mousse pour représenter l'herbe et un très joli parterre de rose. Et les gouttes d'eau, tu les as représentées avec eh ben, des petits strass. Il doit y en avoir là-dedans. Des petits diamants. Oui, là. Des petits diamants comme ça. Vous voyez? C'est magnifique. C'est... Wow. J'adore. Franchement, il est superbe. C'est du papier. Ah, mais c'est... Ouais, tu l'as fait avec un pochoir, ça, je m'en doutais bien. C'est le papier irisé qu'on a de chez Action, là, en boîte carton maintenant. Et tu as fait avec une pâte de structure, je pense que tu l'as fait toi-même, elle fait effet sable, un petit peu sableux. C'est trop joli. Ah, franchement, merci beaucoup pour Louloute. Vous lui avez déjà toutes laissé un, enfin, tout, presque tout un message pour lui souhaiter. Je vous en remercie infiniment.
Et là, c'est adorable parce que, sans compter celles qui ont voilà, mon numéro et qui l'ont appelé directement, mais toutes, vous lui avez laissé un message, un commentaire, un mail ou par tous les biais que vous pouviez. Et je vous en remercie franchement du fond du cœur. Et là, ce que vous lui avez envoyé, c'est franchement, c'est adorable, c'est magnifique. Attends, je décale un peu parce que on voit plus tes strass que ta création. Mais franchement, c'est magnifique. Merci infiniment, franchement, c'est incroyable. Tellement de gentillesse, tellement d'amour, c'est... On a la chance d'avoir une famille comme vous. Franchement, voilà. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Merci infiniment. Je vais vous faire plein de gros bisous. Tuto, je suis en préparation d'un tuto qui ne va pas être posté maintenant, il sera posté dimanche. Je vais essayer de vous faire un petit tuto entre aujourd'hui et demain, mais je ne vous promets rien parce que là, je suis en train de... J'ai des envois à faire depuis un petit moment, en fait. Et là, on est à fond dans la préparation de quelques envois, dont une participation à un concours. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'essaye, voilà, de... Je ne peux pas faire par autre priorité parce qu'il y a... Tout est prioritaire, on va dire. Mais j'essaye vraiment de, voilà, de faire au mieux. Il y a même des petites lunes. Oh, c'est trop mignon. Les petites étoiles, il y en a que je connais, mais là, il y en a que je ne connaissais pas. Attends. Et je vous montre quand même. Là, les petites étoiles comme ça, je connais. Mais celle-là, je ne connaissais pas. C'est trop choupi. Là. Voilà, on n'a pas fini de trier. Là. Puis là, les petites fleurs, regarde, elles ont... Ah non, c'est un petit diamant qui est venu se coincer dans le centre. Eh bien, c'est pas bête. Vous voyez ces petites fleurs? Je m'en suis pas encore servie, mais j'en ai des comme ça. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et en fait, il y a un petit diamant, un petit strass qui était venu se coller dans le centre. Voilà. Et en fait, ça donne ça. Eh bien, c'est pas bête. Je m'en servirai comme ça, de celle-là. Ah oui. Tu vois, c'est glissé tout seul dans le voyage, mais ça donne des idées sympas. Bon, allez, on va faire notre tri après. On va ranger les petites étoiles avec les petites étoiles, les petits cœurs avec les petits cœurs et ainsi de suite. Merci infiniment à vous deux les filles. Merci à vous toutes. On vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci infiniment à vous toutes. Bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Scrapez bien.